Salut, je m'appelle John Zella Alexandre, je suis receveur de passe au Collège Montmorency. J'ai commencé le football à l'âge de 12 ans. J'ai commencé au primaire dans la cour. Je jouais, c'était un peu sauvage dans le sens que je jouais avec mes amis. On se plaquait sans équipement. Mais c'est vraiment là que je suis tombé en amour avec le sport. Pour ensuite, quand je suis allé au secondaire, j'ai commencé ma carrière de football à Regina Assunta, les Panthers dans le fond. J'ai joué secondaire 1, secondaire 2. J'ai eu beaucoup de fun, mais il y a quelques complications arrivant en secondaire 3. Alors, j'ai pris une pause. Ensuite, j'ai changé d'école secondaire pour aller à Cœur-Antoine-Labelle pour jouer avec les Loups mes 2 dernières années, dans le fond, secondaire 4, secondaire 5. Et c'est vraiment là où j'ai vraiment appris l'esprit de compétition. C'est vraiment là que ça s'est imprégné en moi. Dans ce qui est là-bas, c'est chaque jour, c'était about football. Comme on faisait des touch foot à midi. Dans le gymnase, et puis c'était compétition, toujours compétition, là. C'est comme si football était rendu plus important que manger, là. C'est là vraiment que t'as appris, c'est comme j'ai appris vraiment c'est quoi la compétition, puis c'est quoi jouer au football. Ensuite, je suis allé au Collège Montmorency avec les Nomades, où c'est vraiment là où, tu sais, j'étais bien encadré par beaucoup de coachs qui m'ont vraiment aidé dans mon parcours pour finalement choisir les Carabins. J'ai choisi les Carabins, dans le fond, parce que tout au long du parcours de mon recrutement, la première chose que je disais au coach quand il me demandait c'est quoi je cherchais dans une équipe, c'était. Moi, je disais que c'était la famille, la compétition en premier, parce que moi, je suis un gars extrêmement compétitif. Et puis, je sais pas si c'est comme si on avait eu dans ma tête, genre, mais avant qu'on rencontre avec Marco et coach Billy, dans le fond, la première chose qu'ils m'ont dit, Carabin, nos deux motos, c'est la famille et la compétition. Puis déjà là, tu sais, ça avait déjà eu un impact envers moi, sur moi, parce que j'étais comme, waouh, c'est exactement ce que je cherche. Mais sinon, c'est pas juste ça, c'est vraiment tout l'aspect de l'installation, tout ce qu'ils offrent, dans le fond, Carabin, tu vois, l'encadrement, que ce soit scolaire, que ce soit au niveau du football. J'ai aussi des gros feedbacks de mes coachs qui m'ont dit que c'est vraiment comme. Dans le fond, ils m'ont dit que je voulais faire confiance à coach Marco, dans le fond, puis je fais vraiment confiance, c'est ça, là, vraiment de bon gars. Puis c'est vraiment ça qui m'a poussé, dans le fond, à aller vers Carabin. Une dernière chose, c'est aussi le fait que, justement, toutes mes boys des Loups, ben, pas toutes mes boys, mais la majorité des Loups sont allés, justement, au Carabin. Et dans le fond, moi, j'ai vu ça pour une opportunité, dans le fond, de comme, finir ce qu'on n'avait pas fini, dans le fond, en 2015, en 2016, pardon, au Bol d'Or. Maintenant, c'est le temps de gagner ensemble, puis c'est vraiment pour ça que j'ai choisi les Carabins. Ben, je me sens bien, honnêtement, tu sais, c'est sûr que je me faisais beaucoup recruter, puis ça prenait aussi beaucoup de mon temps, surtout au niveau école, tu sais, j'avais beaucoup de visites virtuelles, etc. Puis tu sais, c'est vraiment un processus assez long, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, mais à la fin, quand j'ai choisi Carabins, t'sais, ça a pris un peu de temps, mais quand j'ai choisi, j'étais sûr à 100%, puis j'étais juste excité, juste que j'ai juste envie de travailler avec eux. Dans le fond, j'ai vraiment envie de juste, get to know the boys, puis juste put in work, puis aller vers la Coupe Vanier, man. Ce que j'ai en tête pour mon avenir avec le Carabin, c'est sûr, si on parle niveau équipe, c'est gagner la Coupe Vanier, bien sûr. Mais sinon, niveau personnel, individuellement, c'est vraiment écouter, faire first team, vraiment laisser un impact. Être comme faire partie des meilleurs carabins de l'histoire, de fond des carabins, bien sûr. Et puis, c'est vraiment ça l'impact que j'espère laisser, tu sais. Puis, j'espère donner justement être un exemple pour tous ceux qui veulent espérer à être un grand receveur au carabin. Moi, mon style de jeu, je suis vraiment un gars, je suis un vertical threat, dans le sens que moi, c'est aller attraper les feeds, mais tu sais, le speed est là, tout. Mais je suis aussi un gars vraiment shifty. Tu sais, je suis pas. Oui, je peux être physique quand il faut être physique, mais je suis vraiment un gars qui aime ça faire justement manquer les gars, les faire danser un peu. C'est vraiment mon style de jeu. Mais je dirais, ce qui me démarque le plus, c'est vraiment ma persévérance. Puis si tu demandes à n'importe quel de mes coachs, ils vont dire exactement la même chose. Je suis extrêmement résilient aussi. Dans le sens que mon parcours n'a pas commencé où j'étais le top receveur. Tu sais, j'ai vraiment dû travailler pour, j'ai vraiment dû grind. Tu sais, ça a été long. Mais tu sais, j'ai eu des gros encadrements, surtout au Collège Montmorency avec coach Fred puis coach Ousmane. Plusieurs autres coachs, bien sûr. Et puis c'est vraiment, moi, je suis vraiment quelqu'un de résilient parce que. Il y a plusieurs moments où j'aurais pu abandonner dans un sens, tu sais, comme souvent, mais j'étais overlooked. Mais moi, comme j'ai toujours confiance en moi, tu sais, c'est une de mes plus grandes forces. J'ai toujours confiance en moi. J'ai toujours su que yo, j'étais un bon joueur. J'étais comme chaque fois que je rentre sur le terrain, moi, quand je suis receveur, je me dis qu'il n'y a personne qui peut me guard, il n'y a personne qui peut rien faire sur moi. Fait, je pense que c'est vraiment ce niveau de confiance qui m'a apporté où je suis en ce moment. Pour commencer, moi, je suis un chrétien. Alors, la première chose que je vais faire, c'est vraiment remercier Dieu de me donner cette opportunité de pouvoir jouer au football au rang universitaire. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Alors, je remercie Dieu pour ça. Ensuite, pour commencer, coach Philippe Berthiaume, c'est vraiment lui le premier coach, qui a
put son trust sur moi à Kimario. Malgré, tu sais, c'est vraiment difficile, surtout au loup, tu sais, comme, tu sais, j'étais pas encore au niveau des autres gars, mais c'est lui qui, tu sais, il m'a quand même poussé à devenir un meilleur joueur. Tu sais, il m'a appris l'orgueil, je sais pas s'il va se rappeler, mais je sais vraiment, tu sais, il me dit, il faut que tu aies de l'orgueil quand tu joues. Puis c'est vraiment resté en moi. Ensuite, tu sais, il y a eu coach Fred Morissette, coach Ousmane, coach CP, Wendy, tu sais, je pourrais nommer toutes les coachs du moment. C'est vraiment eux, ils m'ont vraiment encadré. C'est vraiment eux, tu sais, ils m'ont vraiment mis dans la position pour que je sois un meilleur joueur, une meilleure personne aussi. Alors, j'aimerais vraiment remercier ces coachs-là. Et puis, voilà.